Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 11 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Guy Lux et Léon Zitrone, première course de la Réunion 1 où 16 trotteuses âgées de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Cette épreuve est une aubaine pour beaucoup de femelles présentes au départ et ayant pour habitude d'affronter les mâles. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, nous devrions assister à une course sans concession et il serait étonnant de ne pas voir les favorites truster les premières places. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Décoloration. Elle a énormément de classe et est meilleure que ses rivales du jour en valeur pure. Si Tony Le Belair, son pilote, fait ce qu'il veut durant le parcours, elle doit gagner cette compétition. En deuxième choix, le numéro 4, Élite de Giel. Elle est irrégulière dans sa musique car commet parfois des fautes. En revanche, lorsqu'elle reste au trot, elle fait pratiquement toujours l'arrivée et mériterait amplement de s'imposer dans une épreuve de ce genre. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Donna Viva. Beaucoup de classe pour cette femelle entraînée par Dominique Locneux, qui semble de taille à faire le show ici face aux seules femelles dans ce lot. En quatrième position viendra le numéro 6, Déesse Noire. Elle a d'énormes qualités et sera avantagée par le tracé du jour. Si Anthony Barrier, son pilote, la planque au maximum, alors elle réalisera une grande performance dans la phase finale. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Conchitana Genilou. Elle sera présentée par un Romain Derieux qui ne connaît pas la crise et qui compte la voir conclure dans le Quintet Plus. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Wide Love. Sa dernière tentative est bonne, pour ne pas dire très bonne, et avec l'aide d'un certain Franck Nivard aujourd'hui, elle est capable de faire sensation dans ce lot. En avant-dernier choix, le numéro 15, Crescendis. Trouvant un très bel engagement et ayant déjà fait ses preuves à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et particulièrement sur la grande piste, elle peut faire le show ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Effigie Royale. Elle est douée et dispose d'un bon rush final. Éric Raffin la connaissant parfaitement, elle peut disputer les accessites. En cas de non partant, le numéro 5, Belle Émotion, en grande forme et piloté par Gabriele Gherardmini, introduirait notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection vous indiquaient un tiercé dans le désordre, affichant tout de même un rapport de 70€. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.